Eh bien, salut tout le monde et soyez bienvenue dans cette nouvelle session de stream. Un peu spéciale aujourd'hui puisque je vais essayer de refaire fonctionner Cyberpunk 2077. C'est Monsieur Otsuya, j'espère que vous allez bien. Je dis que je vais réessayer parce que depuis ma nouvelle installation et mon passage sous Windows 11, je n'ai pas retesté Cyberpunk 2077. Donc, je voudrais voir s'il est possible de continuer mon let's play sur ce jeu. Et comme je réinstalle au fur et à mesure tous mes jeux, ce matin on va tester la possibilité de continuer le let's play que j'ai en cours sur Cyberpunk 2077 à condition que ma carte graphique notamment ne surchauffe pas et ne fasse pas de crash pendant que je stream ou pendant que je fais une partie tout simplement. Donc on va retester tout ça. Je vérifie juste qu'on m'entend bien et qu'on me reçoit bien. Ok, c'est nickel. Parfait. Ok. Ok, je vérifie tout ça. Normalement, ma connexion fonctionne bien. Parfait. Bon, alors, plein de petites choses à régler ce matin, je pense, avant de continuer à jouer. Parce que j'ai des petits soucis, évidemment, avec la réinstallation. Il y a plein de choses qui ont sauté. Sachez que j'avais l'installation sur un vieux disque dur avant qui ne fonctionne plus, enfin plus correctement. Donc du coup je suis passé sous NVMe. Il a fallu que je refasse un certain nombre de récupération de fichiers, ce genre de choses pour que ça fonctionne. Ça fonctionne à nouveau. J'avais eu peur de perdre ma partie en cours, mais c'est pas le cas. Donc ça c'est la bonne nouvelle, j'ai réussi à récupérer ma sauvegarde en cours, donc on va pouvoir continuer. Hop. La seule chose qui m'embête pour l'instant, c'est que j'avais l'habitude de jouer avec la manette PS4, or je ne trouve plus l'option qui permet de la piloter sans que celle-ci prenne, enfin coupe le son du jeu. Donc en attendant de trouver cette fonctionnalité sous Windows 11, je vais essayer de paramétrer le jeu pour jouer au clavier souris. Et puis je verrai si je reste avec cette configuration. Évidemment, le plus important, c'est de checker les paramètres graphiques pour pas monter trop en température, parce que en général, au-delà de 75 degrés, ma 3090 RTX fait n'importe quoi. Donc, et puis ça peut faire crasher le PC. Donc c'est ça que je suis en train de surveiller, comme j'ai toujours pas réglé mes problèmes de carte graphique. Je fais avec, donc du coup je m'adapte, on va diminuer un petit peu les résolutions graphiques et tout pour que je puisse en continuer à en profiter. Là ça va, je suis à 50 degrés dans le menu, tout va bien. On va voir si ça dure.
Donc première chose à faire avant de continuer, c'est de checker ici, je suppose, les commandes. Voilà, les commandes. Il va falloir, alors du coup, manette, non. Il me faut les commandes. Alors, pourquoi mes configurations manette? Je m'en fous. Je suis pas en configuration manette, là, elle n'est pas branchée, la manette. Pourquoi il me reconnaît la manette alors qu'elle n'est pas branchée? Déjà, ça commence fort. Il va falloir que je trouve un moyen de faire comprendre que je joue au clavier souris. Et il me dit toujours configuration manette. J'en veux pas de la manette. Il faut que je désactive ici. Non. Pourquoi il me reconnaît la manette alors qu'elle n'est pas branchée? C'est très bizarre. Peut-être parce que c'est mon ancien. Ah, bah non, c'est ici que je suis bête. D'accord, ça se passe ici au raccourci clavier. D'accord. Ok, alors vous voyez qu'on est en QWERTY. Ah bah à la limite, il suffit simplement que je bascule en QWERTY. Et ça devrait suffire. Comme ça, je ne vais pas m'embêter à tout rebinder. Je vais faire ça. Voyons voir. Si dans le jeu, je passe en QWERTY. Voyons voir. Je fais ça, est-ce qu'il va reconnaître? Pas sûr. Bon, faut que je teste en jeu. Faut que je teste en jeu. Du coup, je me remémore un petit peu les contrôles. Ouais, sprinter. Ok. J'ai une touche pour marcher. Ça va la garder, c'est cool. Ok. S'accroupir. Contrôle gauche pour s'accroupir, d'accord. Ah oui, ou pour plonger. Ok, ça c'est pour plonger plutôt. D'accord, ok. Je vais plutôt changer ça. Je regarde un petit peu les contrôles qui me paraissent instinctifs pour moi. Changer d'arme. Arme suivante, ouais, on va plutôt utiliser la molette de la souris. Première arme. Alors ça c'est. Ouais. On va faire comme ça. Super. Là j'ai la gestion des armes. 1, 2, 3, 4. Avec le corps à corps. Ok, ça c'est bien. Tirer, viser, ça change pas. Attaque rapide. Ah, j'aurais voulu l'inverser et mettre le plongeon. Ça aurait été mieux. Parce que attaque rapide, je préfère utiliser la touche F pour faire une attaque rapide. Voir la touche E, mais la touche E c'est système cybernétique. D'accord. Ok. Utiliser un gadget de combat. C'est la molette enfoncée, ok. Inconsommable, c'est X, pourquoi pas, c'est facile d'accès. Le scanner, c'est Tab, ok. Ouvrir le téléphone, tout le reste, après, je m'en fous un peu, quoi. Ok, on va voir en faisant. La chose que je vais changer en priorité, alors, du coup, c'est la touche A et F. On va y voir. Donc comme on a un QWERTY, je veux sauter, remonter à la surface. Non, c'est ça, sprinter, nage rapide. Plonger, voilà. S'accroupir ou plonger. Ça, j'aimerais me mettre sur la touche A. A. Ben, c'est pas bon. Non, c'est la touche Q qui devrait m'afficher. Bon, il l'a pas pris en compte. Si je suis censé être en QWERTY, ça marche pas là. Attendez. Hop. Voilà, je suis passé en QWERTY. Normalement. Voilà, il reconnaît la touche Q. Parfait. Qui correspond au A sur mon clavier. Au moins, il n'y a pas de confusion. Du coup, aller à gauche. Voilà, touche A. Parfait. Comme ça, avancer, c'est bien la touche Z qui est W en fait. Donc, c'est parfait. Ça c'est bon, c'est réglé. Maintenant je voudrais rengainer l'arme, c'est B, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4 au niveau des armes, tirer, viser. Attaque rapide du coup. Attaque rapide. J'aurais voulu la touche F. Touche déjà associée, zut. Elle est associée où? La radio, je m'en fous. Interaction principale, ah oui, d'accord.
Ok. Donc il faut que je remette la touche F ici, sinon ça va déconner. Et donc ici, attaque rapide, est-ce que la touche R est déjà prise? Ah, punaise! parce que là j'ai système cybernétique E. J'aimerais bien avoir une touche, une attaque rapide qui soit simple à faire. Bon. Bah oui, c'est R pour recharger forcément. Flûte. Qu'est-ce que je peux prendre? Qui soit facilement d'accès, facile d'accès avec les doigts. F, R, E, tout ça c'est pris. Attaque rapide. Comment je fais pour m'accroupir déjà? Peut-être utiliser cette touche. Avancer, s'accroupir, Q et C pour plonger. Ah, ça, et ça c'est si je maintiens. Ah bon, bah je vais utiliser cette touche alors. Ok. Donc cette touche, voilà. Comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser ça. Ou à la limite. Non. Je vais utiliser la touche C pour plonger ou m'accroupir. Voilà. On va faire ça, du coup ça me laisse la libre et je fais bien activer, désactiver, on est d'accord? Et pas maintenir, parfait. Comme ça va me laisser le champ libre pour l'attaque rapide que je vais mettre en A. Voilà. Ok, là c'est bon. Là j'ai tout, j'ai pas de trou, on est d'accord, sauf pour la radio, mais je m'en fous. Ok, le reste est bon. Nickel, j'applique ça. Oui, c'est pas grave. Il veut pas. Non mais c'est juste la radio qui a pas de. Sans déconner, il veut absolument que je bagne la radio. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Bah, s'accroupir, plonger. Bah, c'est bon, j'ai déjà mise. Oh, putain. Bon, on va mettre la V là. Voilà. Ok, et je pense que c'est ça là. Là, il veut bien, d'accord. Donc la radio, il s'en fout bien. Ok, ça marche. Ok, on va quand même mettre une touche pour la radio au cas où, s'il faut la désactiver, on va désactiver la touche avec la touche O par exemple. Ah. La touche O est déjà prise. Non. Ok, voilà. Là, on est bien. Donc je reviens sur le menu principal. On va faire continuer. J'espère que ça va marcher, que ça va pas cracher. Je surveille ma température GPU. Et puis on va se débrouiller, hein. On va se débrouiller. Ok. Ah, il met toujours la touche B pour continuer, je sais pas pourquoi. Alors que j'ai pas la manette de brancher, c'est très étrange. Bref, ok. Alors par contre, où est-ce qu'il m'a ramené? Ah, il a pas pris en compte la dernière sauvegarde. Zut. Ça, c'est ballot. Ouais, parce que là, j'ai un cyber-psycho à éliminer. Pourquoi il m'a remis ici? Bon, on va pas faire la fine bouche, hein. J'ai quand même réussi à récupérer une partie de ma sauvegarde. C'est juste la dernière sauvegarde qui a pas été prise en compte. Je ne sais pas pourquoi. Et si je check? Ici. Ouais. D'accord, je vois qu'il a effacé les autres. Bon, c'est un mal pour un bien, on va dire, hein. Donc on va refaire. Tant pis, c'est pas grave. Hein, je vais refaire la. Voilà, l'attaque du cyber-psycho ici. On va faire avec. Hein. Bon, surtout ce que je regarde, c'est que là, je suis à 61 degrés. Température GPU, c'est nickel. Je vais pas me. Je vais pas tenter le diable en mettant tout à fond, on s'en fout. L'essentiel, c'est que le jeu fonctionne. Et que je puisse continuer. Je vais quand même regarder la tronche des PNJ. On va dire que c'est bon, hein. Non mais sans déconner, c'est franchement pas mal. J'ai pas les textures HD, Ultra HD, bon, on s'en fout, hein. Ça va le faire. Ok, c'est parfait.
Je vois surtout que le jeu ne crache pas, donc c'est déjà le principal. On a quand même des jolis effets de lumière. C'est plutôt cool. Normalement, mon mode avec les textures HD est toujours actif, hein, donc on a quand même les textures HD. C'est juste voilà les jeux de lumière RTX, ce genre de choses qui, même si je les ai mis en place, voilà, ils sont pas à fond pour pas avoir de soucis. J'espère évidemment que ça ne va pas cracher. Si c'est vraiment le cas, de toute façon, je redémarre, je retente et puis je referai des réglages graphismes. Mais a priori, ça, je pense pas que ça va bugger. Ça devrait le faire. J'ai fait tout ce qu'il faut de mon côté sous Windows 11, etc. pour bien faire en sorte que je n'ai pas à la fois de problème de carte graphique ou d'alimentation, puisque j'ai qu'une 750 watts. Donc pour faire fonctionner une 3090 RTX, c'est un poil juste. Donc j'ai pris aussi des précautions de ce côté-là pour éviter que ça, enfin que Windows 11, voilà, bouffe une partie des watts dont j'ai besoin. Et là, ça a l'air d'être le cas. Je tourne à 170 watts avec la carte graphique. Du coup, ça laisse largement de la marge pour faire fonctionner le CPU et tout le reste. Donc, on est plutôt pas mal. Ok. Alors, je vais me remettre dans le bain. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon revolver ici, fusil double canon et le sniper. Ok. Donc, pour éliminer un cyberpsycho, je regarde le nombre de balles que j'ai, 194. Le revolver, il fait combien d'attaques? Il fait 57 de dégâts contre 188. Évidemment, là, j'ai en plus un peu moins de. J'ai un peu moins de dégâts. Bon, on va essayer de faire en sorte d'avoir de full dégâts. Hein. Je vais essayer d'aller assez vite dans la progression parce que. Ça fait un petit moment que j'ai recommencé une partie et je suis toujours pas sur le DLC Phantom Liberty alors que je l'ai. Il est toujours pas activé parce que je suis pas assez avancé dans l'histoire. Donc on va faire en sorte d'avancer correctement dans l'histoire et pour ça, oui, il faut bien s'équiper. Il faut bien s'équiper. Donc là déjà, je vais virer ça. On va mettre le katana qui va faire beaucoup plus de dégâts. Voilà, 40, ce sera mieux que. Voilà, quoi qu'il fait 57 de dégâts. Mais le fusil à pompe va faire le taf. C'est vraiment si j'ai plus de mun, je prendrai mon petit pic à cocktail. C'est parfait. Donc là, on est bon. Ok. Comme ça, je peux switcher facilement. Oh, il est joli en plus, il est tout rose. Voilà. Là, j'ai mon gros bon sniper. Je vais quand même prendre mon fusil à pompe, on sait jamais. Je le recharge. Non, c'est bon, il est déjà rechargé. Parfait. Ok, et on va essayer de ne pas mourir en boucle. On va essayer en tout cas. Ok, donc là, j'avais un cyberpsycho à checker. Donc là, par exemple, aucune réaction. Ok, c'est un clodo qui a été abattu avec une arme de gros calibre. Ok. Donc, faut que je suive les indices. Il me semble que c'était par là. Voilà, c'est ici. Hop. Alors, cyberpsycho. Voilà, je peux me mettre accroupi, ça marche. Ah, par contre, voilà. Il y avait tout de suite des caméras. Comment je fais? Zut, je n'ai plus. Alors, comme je suis pas avec la manette, il faut que je me remémore comment on fait pour accéder au piratage. Voilà, c'est comme ça, tout simplement. Donc, je vais faire un petit contrôle caméra. Ah non, zut. Comment je fais pour activer? Voilà, comme ça, ok. Donc je me plante deux boutons. Bon, on peut zoomer, je savais même plus qu'on pouvait zoomer. Bref. Donc, a priori. Oh, là-bas, il y a un drone. Et le cyberpsycho, je le vois pas. Hein. Je sais pas où il est, mais il n'est pas dans les parages. Ok, bon, on continue. J'aimerais bien pirater. Les caméras, comment je peux faire? Ah, je peux zapper d'une caméra à l'autre. Comment je fais? Je vois caméra de surveillance en bas, mais je ne peux pas activer les. Si, appareil précédent, d'accord, c'est ces touches-là. Ok. Donc il y a bien le drone ici. D'accord, ça c'est.
une autre vue caméra. Je vois pas mon cyberpsycho. Je sais pas où il se planque. Là, je reviens à la caméra où j'étais. Bon, il doit être dans un angle mort, je le vois pas. Je vois bien le. Il y a deux drones en fait. Ok. Je peux pas les pirater? Non, il n'y a pas moyen. Je peux les scanner, d'accord. Et non, je peux pas les pirater. Dommage, ça aurait été marrant. Ah bah, si, je vois l'icône du Pyversico qui est ici. Ok, donc il se planque là, il se planque dans le coin. Ok, ça marche. Comment je fais pour quitter? Hop, voilà. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la pirater pour pas qu'elle me repère tout de suite. Hop. Voilà, désactiver. Hop. C'est bon. Comme ça, je peux pénétrer sans me faire voir. On va essayer d'être discret. Il n'y a rien à piquer, donc j'y suis. Ok, je regarde un petit peu tout ce que je peux utiliser. Ah, ça s'est refermé, j'ai pas fait bien. Oh punaise. J'ai de faire du bruit. Ah, je vois le. Est-ce que je peux te pirater, toi? Tu te surchauffes? Ah, j'ai plus assez de mémoire. Ah, ouais, mais pour l'instant, j'ai peu de possibilités. Bon, on va pas y passer des heures. Hein. Vu que je peux rien faire. Hop! Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Vas-y. Neutralisation de la menace. Ah mais il y en a encore. Grenade. Ok. Non, 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 mais cours, cours. Qu'est-ce que tu fous là? Ok, j'ai un dysfonctionnement. Ok, parfait, j'ai pas eu le temps de me soigner. Super. Je suis pas bon avec les souris. Je suis vraiment pas bon. Donc il y avait des robots, j'avais pas fait gaffe. Je les ai pas vus sur les caméras. Bon, comme je vous dis, il faut que je me remette dans le bain. Hein. Mais on va. Ah, il me remet ici, ok. Ok. Alors attendez, ce qu'on va faire. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai bien deux Steam. Et j'ai la grenade ici. D'accord. Chercher comment lancer une grenade, en fait c'est avec la molette, ok. À moins que je puisse le pirater d'ici, mais j'y crois pas trop. Non, petite surchauffe, j'ai rien, j'ai pas assez de barres. Ah si, je peux faire un petit court-circuit là. Normalement. Oui, c'est bon. Petit court-circuit, hop, bastos, et c'est bon, c'est arrivé. Ils m'ont pas vu. Oh punaise, la caméra est active. Juste à s'est réactivée la caméra. Voilà. Ah non, on va être rapide. Ils ne m'ont pas repéré. Ok. Il y a les autres là-bas. Mais j'ai plus assez. On est d'accord. De toute façon, je suis hors de portée. Pacification. Ils font mal. Ok, on va changer d'arme. Ok. Non! Oh non! Ah, j'y étais presque! Ah, j'y étais presque! Bon, j'ai vraiment des armes de merde hein, pour l'instant. Clairement. Mais bon, c'est pas grave. Il faut bien commencer par quelque chose. On va se rééquiper après. Hein. Une fois que j'aurai plus de thunes.
Là, ce que je vois, c'est que je suis plutôt content parce que je vois que mon PC crache pas. Donc ça, c'est la bonne news. Ok, on va recommencer. Ce qu'on va faire, je vais utiliser, hop. Voilà, petite surchauffe, un petit court-circuit pour bien le dézinguer. Hop. Voilà. Toi, je te désigne pour que tu me repères. Il est là. Fusil à pompe. Mais... Alors pourquoi j'ai le jet d'armes, ça va marcher. Hop. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Vas-y, mais recharge, prends tout ton temps, hein, y a pas de problème. Voilà. Hey, petite greu. Non, il fait un dysfonctionnement. Comment je peux faire pour le charger? Je peux pas l'empêcher. Oh, ils m'ont piraté. Vos actions sont illégales. Pacification. Pacification. Ok, on recharge. C'est bon, je l'ai eu. Ok, cette fois c'est bon. Par contre, j'ai plus de régène, il faut que j'attende. Ok, et ça c'est toujours pas le petit versico. Hein. Je sens que j'ai en bavé. Qu'est-ce qu'ils avaient comme arme? Ah oui, d'accord, il est là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont comme arme? Ouais, j'ai pas l'impression que ça soit plus efficace. Ah, qu'est-ce que tu as raté? Non, j'ai pas assez de points. Ah, mais il arrive à me pirater, je sais pas comment. Ah non, il se régène. Attendez, qu'est-ce qu'il fait exactement avec la caméra? Ah, c'est moi qui prends des dégâts, mais d'accord. Bon, on va essayer de s'approcher. 20 mètres. Grenade. Sortir. Ok. Ça n'a pas marché, je sais pas où il est, mais il est planté. C'est les caméras qui me voilà. C'est les caméras qui m'embêtent là. Je fais pirater par les caméras. On démarre l'objectif, ok. Ouais, ok, d'accord, ça a marché, t'es content. Comment je fais pour enlever le piratage là? Ça y est. Bon, c'est pas tellement que j'ai pas joué, je pense que c'est bon. Ok. J'ai vite dégagé le corps à toi, hein, parce que je suis vraiment pas équipé. Hop, on est d'accord que là il est hors de portée. Si, ah, j'ai pas assez. J'adore le départ qui se détruit. Ok. Si seulement je pouvais récupérer ma capacité de piratage là. Bien raté, hein. Ok. Ça c'est du fusil, t'as vu ça Simba? J'espère que tu vas bien. je m'avance très bien mais j'ai un petit peu de peur. Ouais. Ok. Bon ça va, je vais. Oh, yes. Il est en train de me faire un court-circuit. Comment je fais pour casser le court-circuit? Je sais pas comment on fait. Quelqu'un sait comment on fait? Lancer la surcharge, non. Distraire l'ennemi, non. Comment je fais? Je le plante tout simplement. Vous allez voir, je dois pas avoir la capacité. Mais j'ai pas cher. Très bien, merci. Trop bien, j'ai la Dragon Ball à 3 étoiles. De quoi tu me parles?
De quoi tu me parles, Simba? Je comprends pas. J'ai pas la référence. Le spa, il se planque, hein. Une grenade. Non, ça lui fait rien du tout. Il s'en fout complètement. Ah, je l'ai loupé. Mais par contre, il m'a pas loupé. Bon, finalement, je m'aperçois que je suis un petit peu plus précis avec la souris qu'à la manette. Ah non! Finaise. Vas-y, recharge quand tu veux, hein, y a pas de problème. Pourquoi il fait ça? Je n'ai pas demandé de changer d'arme. Le son du jeu est beaucoup trop... le son du jeu est trop élevé, d'accord. Ok. Merci de me le dire, parce que du coup, comme je viens de relancer la... J'ai réinstallé le jeu et tout. J'ai pas forcément checké tout ça avant. Hop. Voilà, un petit 30. Ce sera pas mal. Dis-moi si c'est encore trop fort. Merci en tout cas. Je vais d'avoir coupé le son. Ok, on va se soigner. C'est encore trop fort. C'est bizarre ça. Bouge pas, je regarde. Est-ce que ça viendrait d'OBS? Ah ouais, d'accord. Ouais, effectivement, le son est un poil fort. Ok, il était à fond. Ok, sur OBS, je sais pas pourquoi. Voilà, là, ce sera mieux. On retourne dans le jeu. Hop. Voilà, là, peut-être, il est peut-être pas assez fort du coup. C'est mieux, mais faut peut-être maintenant que je le remonte. C'est parfait là. Ok, cool. Bon, je prends pas de risque. J'ai encore un steam, je le prends. Ah punaise, je vais recharger. Petite greu pour qu'il me foute la paix. Hop, bon, je recharge. Allez, on y est presque. Touche plus à rien, c'est bon. Merci. Merci pour ton retour, Simba. Bon, je suis content là, j'ai un jeu qui marche là, qui fonctionne, qui tourne. J'ai pas de surchauffe de carte graphique. Et le jeu est plutôt propre. Hein. Oh, oh, je l'ai bien loupé. Là, je suis trop nul. Voilà, tire dans la tête, ça fait mal. Allez, encore un et c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Ok. Pourquoi je peux plus prendre mon... Je sais pas pourquoi je ne peux plus prendre mon... C'est très bizarre. Bon, ça je vais le prendre. Je prends tout ce que je peux prendre. Du coup, ta carte graphique, tu as trouvé une solution définitive? Alors, pas définitive, mais disons que j'ai trouvé un compromis. Ok, donc là c'est bien lui. Hop. Voilà, c'est lui qu'on cherchait. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que je peux lui prendre? Rien. Ok. Donc normalement on a fini. Alors on les tue pas les cybersicos. Hein. Je les tue pas, c'est parce qu'il faut les récupérer. On a un contrat. Donc je l'ai mis hors d'état de nuire, c'est ce que je voulais. Du coup, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à checker? Ouais. Ça ici. De la thune? C'est de la thune? Voilà, des 0$. Parfait, je prends. C'est bien ta carte graphique qui posait problème? Bah écoute, j'en sais rien. C'est toujours compliqué, j'arrive pas à comprendre d'où vient le problème exactement. En tout cas, je me suis aperçu qu'en l'empêchant d'atteindre les 75 degrés, en tout cas d'aller au-delà, j'ai plus de problème de crash. Maintenant, j'ai pas testé tous mes jeux parce que j'ai pas tout réinstallé encore et j'ai pas testé en toutes les conditions, hein, notamment sur Elite Dangerous. Je me souviens que je crachais. Lorsque il y avait des bases à afficher ou trop d'objets au sol à afficher sur les planètes. Donc ça, j'ai pas encore eu l'occasion de retester ça. Il faudra que je teste, voir si ça pose problème encore. J'ai réussi à refaire fonctionner Star Citizen. Donc ça, je suis plutôt content. Évidemment, en mettant tous les graphismes en low.
J'ai pas testé en essayant de remettre les nuages encore. Bon, il me reste encore plein de choses à retester. Je suis en train de remettre ça en place au fur et à mesure. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas trop le temps de faire autrement. Donc j'y vais au fur et à mesure. C'est pour ça que ce matin, je teste Cyberpunk parce que j'aimerais bien pouvoir reprendre mon let's play dessus. Mais pour ça, bah, il faut qu'il tourne correctement. T'as pas moyen de changer de composant qui pose des soucis? Bah écoute, si c'est la carte graphique, non, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de racheter une 3090, ça c'est clair, voire plus. 115 degrés, c'est rien, pourtant une carte graphique doit monter au-delà de 90. Non, quand même pas. Là, j'ai une. Normalement, celle que j'ai, c'est une 3090 overclockée d'usine. Et le max, la plage maximale, c'est entre 80 et 85 degrés. Pas au-delà. Mais en général, 85 degrés, bon, elle a ce qu'il faut hein, pour tourner. Elle a trois gros ventilateurs qui peuvent tourner à 3000 tours minute, donc il n'y a pas de souci. C'est juste que ben, ça pose quand même problème. Alors, maintenant que je suis passé sous Windows 11 et que j'ai toute ma réinstallation Windows sur un NVMe, le PC tourne nickel, mais vraiment à la vitesse de la lumière. Donc, ça me change énormément de mon vieux disque dur qui avait 12 ans, qui avait vraiment du mal. Donc, je pense que, aussi que ça soulage aussi tout ça. Hein. Ça permet vraiment de, voilà, de faire en sorte que la carte graphique travaille moins et c'est ce qui se passe, c'est ce que je constate. Mais bon, voilà quoi. Il faut que je continue de faire des tests. Alors du coup, ici, utilisons le PC. Voilà, il y avait des messages. Proposition de travail. Ok. Et donc, c'est lui hein, qu'on a. Voilà, c'est Bradley qu'on vient sans doute. D'éliminer. Ok. Et donc, voilà, il a tenté de faire un piratage qui a mal tourné, du coup, il est passé cybersico. Ok. Donc, ça, c'est bon. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Donc, on va essayer de ressortir de là. Hop. Par contre, je ne comprends pas pourquoi je ne peux plus utiliser mon fusil à pompe. Pourquoi je peux plus l'utiliser? Bizarre ça. Mon fusil à double canon plutôt. C'est lui qui a le plus de dégâts, hein, je sais plus. Ouais, 12, 17, 17, 25. Ouais. Bon, au départ, je voulais me faire un build 100% revolver. Ça aurait pu être drôle, mais je vais avancer comme un escargot dans les missions. Donc j'essaye de faire en sorte d'avoir les armes les plus puissantes et de les utiliser voilà, avec une arme moyenne, une arme lointaine avec le fusil sniper et une arme proche avec le katana. Et je vais essayer d'améliorer les armes de cette manière parce que sinon je vais pas, voilà, je vais traîner en longueur. Bref, du coup, pourquoi? Voilà, ça y est, je re-switch sur le fusil à pompe. Je sais pas pourquoi ça marchait pas tout à l'heure. Très étrange. Bon, sinon je peux y aller comme ça, hein. Ça marche aussi. Voilà, touche du clavier, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ou alors carrément à la main. Voilà. Là, je me défends. Là, j'attaque. Ok. Donc là, hop. Voilà, fusil à lunettes et fusil à pompe. C'est bon, ça fonctionne. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à looter là? Il y a encore du loot. Oh, il y a une petite salle à droite. Ah, mais non, c'est là que je viens, que je suis con. ici, il y a un ordinateur, mais on peut pas l'utiliser. Ok, donc je pense simplement qu'il faut que je sorte. Donc il y a des choses intéressantes ici. Non, rien de spécial. Ok. Donc je dois pouvoir ressortir. Ouais, c'est bon. Parfait. Bon, on a fait un cyberpsycho. Est-ce que je continue les quêtes secondaires ou on poursuit avec la quête principale en me disant que c'est risqué parce que je suis vraiment pas équipé, hein. Vous l'avez vu là. Bon, bref. Bah du coup voilà j'ai attendez, on va se mettre ici pour consulter mon téléphone. Comment je fais pour lire le sujet là, pour lire le message?
Faut que j'aille ici directement. Ah oui, d'accord, ok. Et là, je peux faire contact, message. Ok, donc c'est bien Regina. Ok. Voilà. Donc c'était un netrunner des VDB, je vais y arriver. Apparemment, il voulait s'emparer du gym pour gravir les échelons. Il a engagé un merc qu'il a ensuite tenté de le buter, mais il s'est grillé auprès de Nightwatch. Je l'ai assommé, mais il respire encore. Donc ça, c'est moi qui envoie le message. Regina me dit. Merci de leur laisser la vie et je vais dire à mes gars de le récupérer. Il a dû chier dessus dans ce repère des VDB. Ok. Parfait, du coup. Est-ce que j'ai la thune? Voilà. J'ai gagné en réputation, ça c'est cool. J'ai pas la thune. Ok. Mission accomplie ici. Ah, NCPD, ouais, je sais pas pourquoi. 47 d'expérience. 369 points, d'accord. Voilà, ça y est, il me transfère l'argent. Ok, 2003. Bon, je suis à 20 000. Il va falloir que je m'équipe. Hein. Que je m'équipe mieux que ça, parce que, à la fois, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois avant que la sauvegarde plante, là, à cause de la réinstallation. Tiens, d'ailleurs, ici, il y avait du matos que j'ai pas récupéré. Je récupère tout ça, on va démanteler. Hein. Je récupère pas pour vendre parce que vraiment ça sert à rien de revendre ces trucs-là. Mais au moins pour faire du démantèlement, récupérer des composants pour pouvoir améliorer mes armes. C'est ce que je cherche à faire. Faisons un petit point. Un petit point, je vais me mettre ici. Faisons un petit point. Est-ce que je peux m'asseoir quelque part? Est-ce que mon module fonctionne encore? J'avais mis un mode pour m'asseoir, je sais pas s'il fonctionne avec le passage à la. Je suis pas sûr. Hein. Avec le passage à Windows 11 et réinstallation du jeu, je suis pas sûr que ça fonctionne. Normalement, je peux m'asseoir, bah, peut-être dans les marches. Non. Quand je peux m'asseoir, normalement, ça me met que je peux m'asseoir. Je vais tester ça. Voir si le mode est toujours actif ou pas. Là par exemple. Non. Bon, il faudra un banc. Là ici, ça normalement on peut s'asseoir dessus. Là où les PNJ peuvent s'asseoir, je peux m'asseoir. J'ai l'impression que le mode il marche pas. Hein. Ouais, il faut que je le réinstalle à mon avis. Il faut que je sois sûr de faire ça sur un banc. Bon, on va retourner. On va aller dans la ville pour voir. Hop, voilà, là par exemple, là normalement je devrais pouvoir m'asseoir. Ok, donc j'ai confirmation que le mode ne marche plus. Dommage. Bon, il faudra que je le réinstalle. C'est bizarre parce que quand je vais ici, voilà, il met que le mode est installé, c'est étrange. Avec les différents modes d'animation, donc il met que ça fonctionne. Mais apparemment, il faut que je le réinstalle parce qu'il ne fonctionne pas en jeu. Normalement, là, j'ai la touche qui me permet de m'asseoir et ça fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, il faudra que je teste. Oh là. Attendez, on va se remettre à l'abri. Hop. Ouais, je me mets ici. Je vais checker un petit peu tout ma tenue. Qu'est-ce que j'ai en matériel cyber là? Bon, attends, déjà, on va se mettre là, ça sera mieux. Ouais, j'ai pas grand-chose quand même. Hein. Donc il serait temps d'aller voir un mec qui vend de quoi m'équiper là. Mais après j'ai que 20 000, hein, donc c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Voyons voir. Et niveau armement, par exemple katana ou plutôt, alors de loin, on va commencer plutôt par. Le fusil sniper, est-ce que je peux l'améliorer, le fusil sniper? J'ai quoi? Fusil sniper. Je peux pas améliorer comme ça, hein, à la volée. Hein. Où est-ce qu'il faut que j'aille pour améliorer? Putain, j'ai tout oublié. Salut Gonzo! Je vois que tu profites du beau temps pour aller à la plage. Ouais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais aller chercher des coquillages. Comment on fait déjà? Alors, je peux déséquiper. Si je clique là,
Du coup, c'est pas ce que je veux faire. Je vais reprendre mon fusil sniper, voilà. Bon, il faut que je sois chez moi, je pense, pour le. Où est-ce qu'on va dans. Ou alors c'est dans le personnage? Non, c'est pas un personnage. C'est pas dans le carte. Où est-ce qu'on va pour modifier ses armes? J'ai oublié le menu. Ah, c'est là-dedans. Ça doit être là-dedans. Voilà, c'est ça. Fabrication. Ok. Et là, normalement, alors c'est pour fabriquer des armes avec du matériel que j'ai déjà, mais je peux faire des améliorations. C'est ça que je cherche à faire. Voilà, ok, ça y est, j'ai retrouvé. Amélioration d'armes. Je peux pas. Ah, c'est parce que je. Ah, d'accord, pour l'instant, je ne peux améliorer que les katanas. Je peux pas améliorer les armes. Armes de corps à corps, armes à distance. Et là, j'ai tout. D'accord, en fait, il me trie directement en fonction des améliorations que je peux faire. Donc là, j'ai pas les ressources qu'il faut pour améliorer les armes. Ok. Bon, alors du coup, on va aller dans inventaire, dans mon sac. Et là, ce que je viens de récupérer, voilà, j'ai plein de choses que j'ai récupérées. Ça, normalement, je peux le démonter. Comment est-ce qu'on fait? Ajouter aux favoris, non. Ah, démonter la camelote, d'accord. Donc il faut que je le sélectionne. Non. Faut que je clique là. Non. Comment je fais pour démonter? Je veux pas tout démonter, moi. Ah, quoique, il me montre que les armes qui sont pas équipées, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, mais non, fusil sniper, il est bien équipé. D'accord, c'est ceux qui sont avec la pastille. Non, même pas. C'est ceux qui sont avec la barrette. Voilà, ceux qui sont équipés. Ça, c'est équipé. Donc, comment je fais pour démonter? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8. Pourquoi il me dit que je peux démonter 7 articles? Parce qu'il y en a un, d'accord, c'est du. D'accord. Donc je vais faire ça, je démonte. Voilà, oui, je récupère à droite. Je récupère. Pourquoi j'ai encore les armes? Qu'est-ce qui m'a démonté? Non, je veux pas les changer, je veux le démonter. Ah, démonter l'objet, d'accord, c'est ça. Ok, donc en fait il faut que je démonte comme ça. Donc je sais pas, j'avais de la camelote dans mon sac à dos, il m'a tout démonté. Ça, je le vire aussi. 12 de dégâts, ça m'intéresse pas. Donc c'est X, c'est ouais, c'est W du coup. Voilà, du coup je récupère pas mal de camelotes, enfin pas mal de composants, pas de camelotes justement. Ça, je garde. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, que je me souvienne. Hein. Voilà, comme ça je m'encombre pas en poids. Et je récupère de quoi? Peut-être. Voilà, peut-être. J'ai peut-être là maintenant de quoi améliorer mes armes. Non, toujours pas. Comment je peux voir? Là, c'est le tri par défaut. Pourquoi je vois pas mes autres armes? Je ne vois que le katana que je peux améliorer. Celui-ci, il a combien déjà? Il a 40, je peux le monter à 47. Et celui-ci à 34, je peux monter à 47. Donc ça m'intéresse pas. Celui-ci, je vais essayer de voir si je peux pas le démonter. Comment je fais? Hop. Ok, si je vais dans mon sac, je le verrai mieux. Voilà. Ah oui, j'ai tout ça, d'accord. Est-ce que je peux démonter ça? Je regarde. Retirer les favoris, apercevoir l'objet, lâcher, démonter. Ouais, je peux. Donc ça, je démonte, puisque là, pour l'instant, j'ai des dégâts à 40. Ok, je démonte ça. Action impossible? Pourquoi? Matraque à main, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette matraque? Pourquoi je peux pas la démonter? Action impossible, je sais pas pourquoi. Là, est-ce que je peux démonter ça? Oh, démonte pneu 71. Ah ouais! Ah ouais! Bon, je vais garder mon pic à cocktail pour le style. Mais 71 de coups là. Bon, évidemment, je diminue en vitesse d'attaque. Mais ça fait super mal une matraque à main.
par rapport à mon katana qui fait que 40. Comme je vous dis, hein, je vais prendre les armes qui font le plus de dégâts parce que là, 79. Parce que sinon, je vais pas avancer. 34, 25 et 42. Oui, 42. La vache! Celle-ci, 79. Bon, est-ce que je peux démonter ça? Voyons voir. Non, je ne peux pas, j'ai pas l'action. Là, il me dit démonter l'objet, mais ça marche pas. Si, ah là, ça a marché. Ok. Donc ça, je démonte aussi. Parfait, je récupère des composants. Pourquoi la matraque à main, je peux pas la démonter? Parce que je l'ai mise en favori. Ah, mais c'est quoi cette icône? C'est favori normalement. Comment je fais pour enlever le favori? Voilà, retirer des favoris. D'accord. Ok. Du coup, celle-là, elle fait que 36 de dégâts, je la démonte. Celle-ci, elle fait 71, mais celle-ci fait 79. Donc je vais garder, je vais virer celle-là. Je vais garder celle-ci. Du coup, je vais l'équiper à la place du katana. Et ça, celui-ci, non, annule. Est-ce que je peux le démonter? Non, je ne peux pas, parce que ça doit être la licorne noire, c'est iconique, donc je ne peux pas la démonter. Ok. En attendant, c'est la matraque à une main qui fait beaucoup de dégâts, hein, donc je vais la garder. Je garde quand même mes katanas, parce que voilà, histoire de dire, on va garder ça. À la limite, je vais les mettre dans mes coffres. Pour pas l'avoir sur moi, pour me enlever le poids, 3,4 kg. Et là, 4,5 kg. Mais clairement, si je peux faire de l'amélioration, donc il faut que je fasse fabrication, katana, ah, amélioration, hop, voilà. Ah, je peux pas améliorer la matraque, dommage. Du coup, je peux améliorer le katana, mais pas la matraque. Bon, bah, c'est peut-être fait exprès, hein, quelque part. Donc, soit je garde mon joli pic à cocktail rose. Soit je conserve la licorne noire et j'essaie de l'améliorer. Je peux l'améliorer à 47. C'est ça, hein. Non, 41. 41. Et lui. C'est pareil. Non, 47. Ouais, donc il faudrait que je conserve la licorne. Là, le pic à cocktail. À la limite, si je veux l'améliorer. Mais est-ce que ça vaut le coup? Là, de toute façon, il me met composants insuffisants. Donc, je sais pas ce qu'il faut, mais j'ai pas ce qu'il faut. Bah, il me faut ça. D'accord. Il m'en faut 75. J'en ai que 63 des composants de niveau 2. Ok. Bon, maintenant, au niveau des armes. Je ne peux toujours pas améliorer mes armes. Je ne sais pas pourquoi. Elles sont peut-être pas améliorables, hein, tout simplement. Donc, faut que je fasse attention, que je check de temps en temps, voir si je ne peux pas améliorer une arme quand j'en récupère une. En fabriquer, évidemment, ça peut être intéressant de fabriquer des armes. Là, on voit toutes les armes que je peux fabriquer, mais je me dis que de toute façon, le temps que je monte une arme que je fabrique, je vais gagner du temps en essayant de récupérer des armes à droite et à gauche que je monte moi-même. Je vais gagner du temps en faisant ça. À condition de trouver une arme que je puisse améliorer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok. Enfin, à part les katanas. Mais j'ai pas encore ce qu'il faut. Bon, très bien. Du coup, personnage, est-ce que je peux monter? Non, j'ai pas de points à monter. Bah écoutez, c'est pas grave, on va passer dans le journal et puis on va poursuivre. Est-ce que je continue la quête principale? Ou est-ce que je fais. On va alterner, hein, quête principale et quête secondaire, hein, sinon je vais pas y arriver. Je vois que j'ai Phantom Liberty, mais il faut que j'en apprenne plus sur Evelyn Parker. Donc pour l'instant, j'en suis pas là. Voyons voir, j'ai tout ça en quête principale, c'est là où il y a les points d'exclamation. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Là, il faut que je me rende à l'Afterlife pour retrouver Hellman. Est-ce qu'il y a une chronologie? Je regarde s'il y a une chronologie dans les quêtes principales. Est-ce que vous savez ça? Parce que là, je peux rejoindre Takemura pour faire ma quête de corpo, j'imagine. Ouais. Et ici, The Space in Between. Faut que je parle à Finger, je sais même pas qui c'est. C'est bien pourtant une quête principale. J'imagine que celles qui sont en haut, c'est les plus récentes. Donc il faudrait que je fasse Phantom Liberty en premier. Ah bah d'accord, on me dit d'accord. Ah oui, il y a un chaînage. On me dit de parler à Finger d'abord. Ok. Si je veux commencer la Phantom Liberty. Mais voilà, je voudrais pas louper des trucs, quoi. Donc d'après vous, quelle est la. Ouais, si je veux faire Phantom Liberty, il faut que je fasse Automatic Love. Donc c'est une quête secondaire, il me semble.
C'est ça, hein. Je la vois pas. Automatic love, je vois pas. Ah mais si, je l'ai faite déjà, donc je suis bête. Ok. Donc il faudrait que je fasse celle-ci pour pouvoir déclencher celle-là. D'accord. Salut Tokup. Tu me demandes d'aller à l'afterlife. Donc l'afterlife, ça correspond, ouais, chronologiquement à la plus ancienne. Fantôme, tu feras après. Ouais. Tout à fait. Il vaut mieux faire les anciennes d'abord avant de faire la. Enfin, de toute façon, ça va s'enclencher. Mais là, j'ai la possibilité de faire effectivement Phantom Liberty en déclenchant cette quête. Ok. Bon, on va faire les autres d'abord. Allez. Donc, on va faire Ghost Town. Donc, tu veux retrouver Hellman, commence par l'Afterlife. C'est vrai que l'endroit a pas mal changé avec le temps, mais il y a une chose qui ne changera jamais. S'il y a un problème que tu n'arrives pas à résoudre, va à l'Afterlife. Tu trouveras toujours quelqu'un pour te souffler la réponse à l'oreille. Si tu y mets le prix, oui, évidemment. Et si ce quelqu'un est Rogue, bah merde, j'arrêterai ça pour rien au monde. Ok. Oui, Rogue, effectivement, c'est un des personnages principaux. C'était la copine à Johnny, si je me souviens bien. Ok, dans le premier run que j'ai fait il y a très longtemps, au début du jeu, quand le jeu est sorti. Bref, donc du coup, on va aller là-bas. Donc normalement voilà c'est à 3,5 km. Voilà, j'ai mon bon alors c'est un démon de pneu, mais il fait très mal. On va le ranger. Hop, voilà. Et on va se rendre à 3 km. Alors tant qu'à faire, si je peux piquer une caisse ou une moto. Il me semble qu'il y a des motos là-bas. Bon, je vais pas dessouder tout le monde, hein. On va essayer de. Alors, bon, par contre, j'ai vraiment un petit niveau. Je suis quel niveau d'ailleurs? Mais non, ça va, je me casse. Je suis quel niveau là? Niveau 16. Réputation 17. Ok. Ouais, donc effectivement, je suis encore bas niveau. Hein. Ok. J'avais pas fait gaffe à ça. Tu cherches des capsules? On n'est pas dans Fallout, hein. On peut leur parler. Si tu le passes sur moi, je suis sûr que je fais exploser Belle journée, ton pas détecteur de vrai? métal. J'ai plein de chrome sur moi. Comment tu fais pour pas interférer avec tout le chrome que t'as sur toi? On peut pas lui parler, dommage. Ah si. Salut. Ok. On peut te parler toi aussi? Salut. Ok, elles ont vachement de conversation. J'adore ton cigare. Ça me fait rêver. Ouais, c'est sympa. J'adore les cigares. En vrai, en plus. Mais ça coûte très cher. Bon, j'étais obligé de diminuer les graphismes, mais sans déconner, le jeu est toujours aussi beau. Disons que je suis pas en ultra, quoi. C'est tout. Ouais, j'adore les cigares, Simba. Les vrais, hein. Pas les cigarios. Hein. bon, il n'y a pas une caisse là que je puisse prendre. Si, il y a des meules. Parfait. On va en prendre une. Je vais prendre celle-là. Faut juste bien que je chope le chemin pour sortir. Parce que je pense qu'ils vont pas apprécier que je pique les bécanes. On va en prendre une rapide. C'est toutes des bécanes comme ça, j'aime pas. Bref. Bon, on va tenter. Ok, super. Ils m'ont rien dit. Parfait, j'ai pu prendre la moto. Ça coûte une blinde, dommage et tant mieux. Oui, non, mais c'est bon, un cigare, c'est pas comme la clope. Hein. T'en prends que de temps en temps, l'occasion est rare. Enfin voilà. C'est à de rares occasions que je fume mes cigares. Et ça fait longtemps que j'en ai pas fumé. Et je fume pas de clope à côté. Bon, on va faire peur aux gens. Faut que je prenne les escaliers avec la moto. Hop, on y va doucement. Hop! Je me suis garé dans sa raie des fesses. C'était parfait. C'était parfait. Ok, allez, on continue.
Le chemin est sur la minimap en haut. Ouais, tout à fait, je vois le chemin. C'est juste que je voulais prendre la moto pour y aller, enfin un véhicule. Plutôt que de prendre les TP. Perso, jamais fumé quoi que ce soit, mais j'ai trop. Mais j'ai trop bouffe de McDo. T'as trop bouffé de McDo? Ah, d'accord. Bah, qu'est-ce qui te tue, qu'est-ce qui te tue le plus vite, hein? La clope ou les ou le McDo? Difficile de savoir. C'est pas les mêmes cancers, mais bon. Je suis pas sûr que ce soit pas moins rapide. Ok. C'est par là. Bon, je pilote mieux à la manette, mais bon, c'est pas grave. La ville est toujours aussi belle à parcourir, j'adore. Ok. Je pense que c'est aussi rapide les deux se valent. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. Ajoute le soda et t'es dans le Guinness Book. Oh, un petit coca de temps en temps, ça fait pas de mal. C'est le coca citron que je préfère. Mais on en trouve de moins en moins. Le coca citron, on en trouve de moins en moins. C'est dommage, j'adore. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté la production de coca citron. On en trouve quasiment plus. Il manque plus que le cigare électronique sur ta moto et t'as le droit. Voilà, c'est ça. Et le Gonzo, tu dis, ça dépend si tu veux mourir d'un infarctus avec la malbouffe ou d'un cancer du poumon avec le tabac. Ouais, voilà, c'est ça. Coca citron, ça doit être trop bon. Mais j'adore, j'adore. Et on n'en fait plus. C'était ma boisson préférée dans les années 80-90. Il y en avait plein tout le temps. Et on n'en trouve plus, je sais pas pourquoi. Ça ne devait pas se vendre assez, donc du coup, ils ont arrêté. De temps en temps, en supermarché, on en trouve, mais rarement. Ok, c'est ici. Attendez. Punaise. Garde ta moto. C'est pas un endroit pour garer sa meule, mais c'est pas grave. Il descend toujours du mauvais côté, ça me rend fou. La béquille, elle est là. On descend du côté de la béquille. C'est quand même dingue, ça. Ok, donc faut que je descende par ici. Très bien. Si on me laisse passer. Ok. Ok. Pour donner une bonne conscience, t'es passé à la limonade. T'as raison, ça donne bonne conscience. L'afterlife, je peux descendre par là? Ouais, ok. Alors c'est parti, on est parti pour la quête principale. Je vais regarder. Voilà, je passe à 67, 68 degrés. Je regarde quand même, je surveille mon GPU. Hein. Mais ça va, tout va bien. Salut. Salut. Vas-y, entre. Ok. Donc faut que je parle à Rogue. J'avais pas une. Voilà, j'avais bien une touche pour marcher, il me semblait. J'aime bien me mettre en immersion. Ok, Rogue est ici. Toujours sympa, hein, l'Afterlife. Si je suis dans ce merdier, après le boulot. C'est parce que c'est toi qui m'y as mise. J'ai tout Toujours perdu. Sympa. Tu le sais. Et c'est ta redis faute. Tout net. C'est à toi de résoudre tes problèmes et de tu sais nettoyer ta quoi? merde. Va te Ok. faire foutre. Ah, c'est Ah, comment elle s'appelle? C'est Ah, j'ai oublié son nom. Hey, du boulot, ça vous intéresse? Comment elle s'appelle? Attends, reviens. Je l'avais dans mon ancienne run. Ah, zut, j'arrive pas à voir son nom. Comment elle s'appelle déjà?
Ah punaise. Remonte la tête. Comment ça? Ah c'est Panam. Oui merci Tokup. C'est Panam. Je l'avais en personnage principal, on va dire, quand j'étais lors de ma première run, parce que je faisais partie des nomades là. Voilà, puis Josiane. Je pense pas qu'elle apprécie. Comment ça, remontre ta tête? Pourquoi tu veux que je... tu veux voir ma tête? Ouais, ma tête, j'ai une tête de Yakuza. Je me suis fait une tête de Yakuza. J'ai essayé de ressembler le plus possible à un Yakuza japonais. Ok, bon, faut qu'on aille voir Rogue, donc. On peut parler. Rogue, il faut que je te parle. Non, c'est bon. Ok, merci mec. Salut tout le monde. C'est étrange. Ta tête me dit rien. T'es qui? Je m'appelle V. Et qu'est-ce que tu me veux? Eh ben, faut que je te parle de Johnny. Après toutes ces années, c'est génial. Vraiment elle. Cette putain de Rogue qui se la coule tous dans un canapé à l'afterlife. Et ouais. Essaie pas de l'embrouiller. Elle okay. Lire en toi comme dans un livre. Alors dis-lui la vérité. Ouais, ouais, c'est ça le Gonzo. Paname dans le blindé, que de souvenirs, n'est-ce pas? Pas la tienne de tête de Josiane, t'inquiète. Ah oui, d'accord, ok. Alors, Underhellman, je dois le trouver. Bon, oui. J'ai besoin de tes services. Je dois trouver un type. Ah ouais? Underhellman, un ingénieur haut placé. Il bossait pour Arasaka. Une milliseconde. Underhellman. Tu peux me le localiser? Merci. T'emballe pas. Primo, mon aide a un prix. Ouais, ensuite, Dexter de Shawn, Jackie Wells, T-Bug. Oh. Tu fais parler de toi, lui. Ouais. Elle est en train de regarder tout mon pédigré. La mort te suit. Tu vas mettre ça sur le compte de la malchance. Ah, je retrouve bien là son côté casse-couille. Parle-lui de la tour Arasaka. Quand ils m'ont abattu sous ses yeux. Franchement, la voix française est pas mal, hein. J'aime bien. Est-ce que c'est assez fort pour vous, ou est-ce qu'il faut que je monte? Est-ce que vous entendez les dialogues ou pas? Comme j'ai tout réinstallé, du coup, j'ai pas fait les tests. Simba, tu dis, bon, va falloir qu'on t'aide à faire toutes les missions Overdrive de Star Citizen maintenant que ton PC refonctionne. Oula, attends, je vais essayer, hein, mais je dis pas que ça va refonctionner à 100%. Bref, mais oui, effectivement. Toi aussi, t'as perdu des gars au combat. T'as fait tuer Johnny. Je lui parle de ça directement. Allez. Tu tiens vraiment à parler des morts? Ok. Johnny Silverhand. Dézingué dans la tour Arasaka. Sous tes yeux. Je continue si tu veux. Ou alors en cause. T'as des couilles, petit. Je suis certain, ça me dérange parfois, mais pas chez toi. Mais comme je dis toujours, les sentiments, on s'en tape. C'est purement professionnel. Si tu veux mon aide, allons, je les ai dit. Ouais, bah avec ce que j'ai, ça risque pas. Ouh, 15 000. Ok, est-ce que je paye? Bon, on va essayer de la faire sans. Et si j'ai pas assez, bonne journée et casse-toi, c'est ça? Non, ce serait plutôt reviens quand t'auras le fric. C'est comme ça que ça marche. Ok. À bientôt. À très bientôt. Ah zut. Est-ce que je paye ou pas? Parce que le problème c'est que j'aimerais bien m'équiper. Parce que c'est pas avec les petites armes de Paco Iti que j'ai là que je vais pouvoir faire la mission à mon avis. Hein. Enfin que je vais pouvoir aller plus loin. Bon tant pis, on fera des missions secondaires pour se faire des trucs. Ça devrait suffire. On passe me voir demain. On discutera. D'accord. Donc j'ai parlé à Rogue. Attendre que Rogue soit prête. Ok. Du coup, il est quelle heure là? Dans le jeu? Où est-ce que je vois ça? Ici? Comment est-ce qu'on voit l'heure dans le jeu? C'est où? Là? Comment je sais quelle heure il est? Pour revenir. Bon, bref, je sais pas. C'est vrai qu'on voyait l'heure. Du jeu. Ok. Attendre que Rock soit prête. Bah, c'est parfait. Donc, je me casse. À moins que je puisse lui reparler, mais. Non. Ok.
Ah, je peux attendre juste que. Juste boulot, ici? ça vous Non. intéresse? Tant qu'à faire, on va enchaîner, hein. Ah, d'accord, je peux simplement attendre au bar. D'accord. Ok. Un peu plus tard. J'aime bien. Ok. Donc là, je peux à nouveau la voir. Ouais, le souci, c'est que j'ai vraiment pas d'armes. Hein. Enfin bon. J'ai un varrog, on a rendez-vous. J'avais Rogue, elle m'attend. Ok. C'est encore moi, du nouveau sur Hellman. Salut Rogue, c'est encore moi. Du nouveau sur Hellman. Deux verres. Hein? Vous soyez de là. Faut que j'aille chercher? Ah non, je croyais qu'elle me demandait. Je croyais J'espère qu'elle me te demandait trouver. d'aller chercher deux verres. Ok. Détermination comme ça, je vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Laisse la bouteille. Les ambiances dans ce jeu, quand même, c'est Vas-y, quelque chose. sers-toi avec. C'est quand même quelque chose. Ok. À ta santé. À la tienne, petit. T'en auras besoin. Ok. Merci, Inix. Qu'est-ce qu'il a apporté? J'ai pas fait gaffe. Reine de l'Afterlife. Qui l'eût cru? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Prendre la puce. Je vais parler à Johnny. Tu crois qu'elle va m'aider? Tu crois qu'elle va m'aider? La Rogue que je connaissais était une connasse insensible. Mais elle se fie à son instinct. J'ai l'impression qu'elle pense que t'as ce qu'il faut. Ok, donc prenons la puce. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ton Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Tianti. Une filiale de Kang Tao, une corpo chinoise. Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Ah. Tu comprends? Ok, et il le protège d'Arasaka, tu peux le localiser, ou alors en corpo, il s'apprête à le transférer. Bon, on va aller droit au Ils but. doivent se préparer à le transférer. Comment tu le sais? Je connais les méthodes des corpos chinoises. Ça, c'est le coup classique du pigeon qui disparaît. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Hellman est dans l'un d'eux? C'est ça? Ah oui, je me souviens vaguement de Et l'histoire. Lequel? Regarde la description de celui-là. Une seule navire, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là... Ematz le chargement de la navire. Déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Mais... Il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP. D'accord. Transféré depuis Tianti. Ok. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. C'est quoi la mauvaise? C'est quoi la mauvaise? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde, tout ça, c'est l'espace aérien de Night City. Ah, impossible d'attaquer la navire sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navire de travers, leurs mignons nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. Derek, c'est ton jour de chance. Une zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Ah, ça c'est bien. Ils ont pensé... Au fait que je sois pauvre, que j'ai pas de matos. Ok, une navie pareille, ce sera tu pas me une fais balade. Perdre mon temps. Non, ça ça va va déjà être la merde, rien que pour suivre cette navie. Je connais, j'ai vu voler d'anciens modèles pendant la guerre. Ils sont énormes, mais rapides. Et ce modèle a des défenses next-gen. On le tirera pas comme ça, même avec du gros calibre. Aucune chance que ça marche. C'est pas une question de puissance de feu. Il y a d'autres moyens et des gens qui les connaissent. Ou qui peuvent improviser dans cette situation. Ok, tu sais qui fera l'affaire? Un autochtone? Tu connais des mères qui collent au profil? Une seule. Madame ah, Palmer. Comme par hasard. Elle peut plus compter sur son clan. Mais oui, ça y est, ça me revient. Nomade. Elle connaît ce coin. Et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y cool. sera bien forcée. C'est
pas très engageant. Ni pour elle, ni pour moi. Il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Je okay. peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. C'est ton OP. À toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment, V. Alors, bizarre, les nomades évitent les urbains d'habitude. Étrange. Je pensais que les nomades s'approchaient pas des villes, ni de ceux qui y vivent. Ça dépend des clans, de leurs connexions, et de la merde dans laquelle ils sont. Mais t'as raison. Les Aldecaldos refusent de faire affaire avec la ville, en général. Paname voit les choses différemment. Ouais, elle voit tout différemment, on dirait. Ok. C'est bien, on va refaire la connaissance de Paname. Ça, c'est cool, ça. Pourquoi elle mènerait ? Elle est où, l'arnaque ? Hein ? Paname transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son genre. Y a eu un problème ? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Paname fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon, je veux bien essayer de l'aider. Mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Je sais. Ok. Alors, tu veux m'utiliser comme Paname ? Attends, tu le sais, mais t'as rien dit à Paname ? Tu veux jouer au chat et à la souris avec moi aussi ? Je m'efforce de repérer les opportunités qui se présentent. Et de les saisir. Ok. Si je lui avais tout raconté, à ton avis, elle aurait fait quoi ? Elle aurait pris son crasheur et foncé dans le tas. On sait bien comment ça se serait terminé. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est perdre des gens bien pour ce genre de conneries. Je vois. Je suis sa seule option, et elle la mienne. Deux pions sur ton échiquier. T'es plutôt futé pour un pion. Allez. D'accord. Dis-moi ce que tu sais. C'est parti. Rocky Ridge, une ville fantôme en dehors de Night City. Paname sait où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise, oubliez pas la bagnole. Bon, faut déjà d'abord faire ça. Va d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ça marche. Ah, enfin. Allez, foutons le camp d'ici. Bah, très bien. Allez, on se lève. Ok, ça me va. Merci. Bonne chance. Je peux pas prendre le verre ? Non, ni la bouteille. Dommage. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'elle me dit, Meredith ? Ça s'est passé comme j'espérais avec Militech. Merci, souvent on se connaît pas. Je me souviens plus de vous. C'est quoi cette quête qui pop là ? Dommage, je commence à vous apprécier. Dommage, j'aurais bien aimé voir vos tatouages de plus près. Ah oui, faisons ça. Ok. Meredith, comment on fait pour décrocher le téléphone ? Ça marche pas. Bah. Ah, j'ai Palmer, d'accord. Oula. Oula, je crache du sang, c'est pas bon. Oh non. Bah non. Pas ici. Vas-y, là. Là, tu peux, là. c'est Rogue qui va donner ton numéro. Salut, Paname. Rogue m'a filé ton numéro. Je m'appelle V. Super. Alors, comment elle va me baiser la gueule, cette fois ? La marchandise est ta caisse, tu veux les récupérer ? Oublie Rogue, je peux t'aider. Allez, on va dire ça. Ce qui se passe entre Rogue et toi, j'en ai rien à battre. J'ai un boulot à te proposer. Génial, mais je suis un peu débordé en ce moment. Avec la marchandise et ta caisse, c'est ça ? Tu veux les récupérer ? Je peux t'aider. Il y a une gare de triage à Bonita Street, à la limite de la ville. On se retrouve là-bas. Ok, ça marche. Ok, cool. Bon, bah continuons. Est-ce que je continue ou est-ce que je me fais une petite mission secondaire histoire de récupérer un peu de fric ? Comment on sort de là-dedans ? Je peux sortir par là ? Non. Ok, je vais repasser par la porte d'entrée. Mais... Ouais, pas le choix. Il y a quoi ici ? De la bouffe ? De la malbouffe ? Ok, faut que je repasse par là, visiblement. Ah, c'est cool. Je suis content que le PC crache pas. Du coup, je vais pouvoir vraiment continuer. Ça, c'est la bonne nouvelle. La musique est toujours aussi bonne ici. Bon, est-ce que je continue la mission principale ? On va dire que oui. Allez, on va se faire une session mission principale. Et puis la prochaine, on se fera des missions secondaires. J'avais pas garé ma meule quelque part par là. Tant qu'à faire, elle doit toujours être là. Enfin, je suppose.
Oui, c'est bon, elle est toujours là. Parfait. Mm-hmm. Allez, continuons la quête principale. Bon. Hop. On passe par-dessus les voitures. Voilà. Allez, c'est parti. Pas se caler sur le sur la, l'arrière de la moto, c'est pénible. Je vais changer de caméra. Voilà. Ok. Comme ça, c'est bien. Alors, faut que je passe par là. C'est dommage que la conduite moto, on soit obligé de donner des à-coups quand on avec le clavier. C'est un peu dommage pour tourner. Ça devrait être plus souple. Ce que j'arrivais à faire à la manette. Oh, toujours un plaisir de se balader dans cette ville. C'était là. Ok. C'était ici. Je tourne là. Mais c'est quoi cette meule? Elle fait encore plus de bruit que ma 125. Comment elle gueule, quoi? On n'a pas le... les centimètres cubes des motos. C'est dommage. J'aurais bien aimé avoir la puissance des motos en fait indiquée. Ça aurait été drôle, histoire de faire des petites comparaisons. Allez, 800 mètres. Même quand on essaie de louer des véhicules, il n'y a pas ce genre d'information, c'est dommage. Oh, sympa le quartier. C'est cool, je dépasse pas les 70 degrés, c'est vraiment cool. Au moins je suis certain de ne pas cracher et de faire des sessions longues, parce que c'était ça le problème. Oula, il se passe quoi là? Qui c'est qui m'attaque? Il faut que j'aille ici, ok. J'aime bien les vues comme ça. Les vues guidon là sont pas mal. Ok, et il faut que j'aille en face. Laisse-moi passer avec ta grosse caisse. Voilà, hop. Ah. Quelle jolie voiture. Je suis obligé de descendre, ok. Ça, c'est de la belle mécanique. Il n'y a pas à dire. Allez, salut Paname. Salut. Paname. Tu dois être V. Elle est où ma caisse? Qu'est-ce que j'en sais? Oula. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Pourquoi je suis dans le menu? Super, je sais pas ce que j'ai fait. Oui, faut que je te parle. Ah oui, d'accord. V? Pourquoi? Elle est pas bien celle-là? Pourquoi? Elle est pas bien celle-là. Un petit peu d'humour. Je l'ai empruntée, elle est pas à moi. Je t'ai demandé où était la mienne. Aide-moi, je te le dirai. Rogue a dit qu'on pouvait s'entraider. On peut s'entraider. C'est ce que Rogue m'a dit. J'aurais dû m'en douter. Bon, dis-moi tout ce que tu sais. Autrement, retourne voir Rogue et dis-lui d'aller se faire foutre. Ok. C'est quoi ton problème? Allez, relax. Eh, hey, tout doux. On se calme. Me donne pas d'ordre, ok? D'accord. Je sais où trouver la marchandise et ta caisse. Mais si t'y vas seul, tu les récupéreras pas. Et tu risques d'y perdre autre chose. Alors on n'a qu'à trouver un arrangement. Qu'est-ce que tu veux?
Je dois mettre la main ah ouais, ça, sur un type. J'ai besoin de ton aide pour attaquer un convoi de Kang Tao. Je dois mettre la main sur un type. Allez, on va pas lui dire tout de suite ce que c'est, sinon on va pas dire oui. Un corpo. Il sera à bord d'un de leurs convois. Non, les enlèvements, je fais pas. En plus, pour s'attaquer à un convoi, il faudrait plus d'hommes et plus de matos. Il n'y a qu'une navi. L'itinéraire prévu passe au-dessus des plaines Jackson. Putain, je rêve. En échange, tu auras des infos sur ton chargement et mon aide pour le récupérer. Ok? Je sais pas. Je... Merde! Ah, j'adore. Bien, marché conclu. Mais si tu veux que ton plan marche, on doit d'abord récupérer ma Sorton. Alors, elle est où? Trop bien. Pourquoi tu tiens tant à cette caisse? La marchandise t'intéresse pas tant que ça, en fait. Je m'en fous de la marchandise. Avec ce pick-up, je peux prendre tous les boulots de livraison. Sans lui, la seule chose que je peux transporter, c'est des pizzas. Et encore. Ta caisse est à Rocky Ridge. Ta caisse est à Rocky Ridge. Ah, Ridge. Je sais où c'est, à ce qui paraît. Elle est là-bas, et la marchandise aussi. Nage, sale petite ordure. Je vais t'étrangler. En route pour Rocky Ridge, c'est qui Nash? Nash, c'est un tchoum à toi? Il t'a fait un mauvais plan? C'est pas mon tchoum. Ok, disons partenaire. Plus maintenant. Ce chiv m'a fait un coup de pute. Il a chouré mon pick-up et la marchandise. Et là, il compte sûrement la fourguer à Rocky Ridge. Il peut se toucher s'il pense que je vais le laisser faire. Franchement... Sa tête en 2.0, elle est encore mieux que quand j'ai fait ma première run avec elle. Magnifique. Je sais pas ce qu'ils ont fait à son visage, mais il est trop trop bien quoi. Ou alors c'est ma RTX qui, voilà, qui fait des merveilles. Je trouve vraiment son visage super bien fait quoi. Bon, il n'y a pas que le visage, mais enfin, franchement, wow, les expressions et tout, franchement c'est chouette. Hein. On n'est pas sur Starfield. Hein. Franchement, c'est vraiment cool. C'est un vrai plaisir de refaire une run sur ce Cyberpunk 2077. Allez, en route pour Rocky Ridge. Ridge. Alors, en route pour Rocky Ridge. Une minute. Faut que je réfléchisse. Fais chier. Bon. On aura besoin de renfort. Va falloir faire un arrêt en chemin. Ah. Tu veux savoir où? On va aller dans sa... Une seconde. J'appelle le client. Je dois le convaincre de faire attendre cet enfoiré. Elle veut boucler la transaction dans le dos de Rogue. Waouh, ça c'est courageux. Ou alors elle a un creux à la place du cerveau. Hé, hey, salut boss. Nash doit te refiler la marchandise à Rocky Ridge. Le truc, c'est que ce fils de chien m'a baisé. Ah, les animations bon, et tout, je vais m'en occuper. Je te demande juste de me laisser une chance. C'est tellement chouette. C'est boss, super bien fait. S'il te plaît. Combien de fois j'ai transporté des trucs? Et combien de fois j'ai merdé, hein? Je te donne ma parole. Cette nuit? Ok. Non, annule pas le rendez-vous. Mais t'y pointe pas. Je m'en occupe. Tu veux vraiment que je te réponde? Mais oui, évidemment. Merci, Bud. Tu le regretteras pas. C'est bon. Je nous ai fait gagner du temps. Ok. Il t'a cru? C'est quoi ça? T'as donné ta parole à cet abruti et il t'a cru? Ouais, ça te surprend? Ça s'appelle avoir une réputation. Tu devrais t'en payer une un de ces jours. C'est qui ce buzz? C'est qui ce buzz? Il va pas nous causer d'ennui, j'espère. Buzz, c'est un type réglo. C'est un Sixth Street. Tu roules pour les gangsters? Quoi, c'est interdit? Les punks des rues ont des trucs à transporter. Et moi, j'ai besoin de fric, comme tout le monde. Ok, bon, on va où maintenant? Alors, on va où maintenant? Au camp des Halles des Caldos. Je dois voir des gars. Super. T'as pas l'air super emballé. Je vais retourner chez moi. C'est pas ton problème. J'ai encore des potes là-bas. Ah cool, c'est cool. C'est cool qu'on revisite. Malgré qu'on change de corpo, on peut revisiter les lieux et cool, c'est bien. Le port de jeans de Paname est sublime. Ouais, n'est-ce pas, le Gonzo? Hey, qu'est-ce qui te prend? Alors, ils vont nous aider. Je pense qu'il y a une chance qu'ils nous aident pour Rocky Ridge. Ouais, c'est le plan. Rogue dit que t'as été banni, j'ai eu l'info, je me souviens pas. Rogue m'a parlé de tes amis. Elle dit que ce serait plus trop l'entente entre vous. Bah voyons, si Rogue le dit, alors ça doit être vrai. Ouais, pas. Tu commences à me gonfler. Ok. Ok. C'était qu'une mini embrouille.
C'est toujours ma famille. Donc, c'est compliqué. On peut dire ça. Ouais. Ok, bah allons-y. Ok, en route. Monte. Parfait. C'est toujours un plaisir de retrouver Panam. Allez, vas-y. Sympa ta caisse. Allez, on va être gentil. Sympa la caisse. Pratique et spacieuse. Oh, ça va. Ferme-la. C'était un compliment. Comment tu t'es retrouvé dans cette merde? Comment t'as fait pour te retrouver dans cette merde? J'aimais bien la couleur. Et je te parle pas du petit sapin et du siège bébé. Tu sais que je parlais pas de la voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça? Que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes? Et toi? Tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la navi? Ça, c'est... Ce clown a des infos dont j'ai besoin. Et il les faut super rapidement. C'est une question de vœux de mort. Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant pour Nash? Rogue, elle doit avoir ses raisons, mais je préfère pas les connaître. Putain, je la supporte pas, cette conne! Putain, c'est chouette. C'est toujours... Le jeu est magnifique. Vraiment, je me souvenais plus que c'était aussi beau. Tu vas devoir lui demander pour Nash. À mon avis, il va falloir que tu lui demandes. Ouais, j'y manquerai pas. Je lui demanderai surtout pourquoi elle m'a fait bosser avec Nash sans me dire que c'était un Raffen. Elle doit avoir ses raisons. Elle doit avoir ses raisons. Non, sans blague. Rogue est pas du genre à ouvrir la bouche sans avoir pesé le pour et le contre. Ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit garder pour elle. Ok. Là, on va au camp des nomades. Sympa. Petite balade avec Panam, c'est toujours un plaisir. Ah, je peux passer le trajet. Oh non, ce serait dommage. Franchement, la version 2.0 de Cyberpunk 2077, c'est un vrai plaisir. Une vraie merveille. Je me régale. Depuis le début de cette nouvelle run, là, je me régale. Je suis bien content d'avoir trouvé un compromis là pour pouvoir continuer de faire fonctionner ma carte graphique. Vraiment cool, ça fonctionne bien. C'est toujours aussi chouette. Salut Balrog. What a game! Une tuerie ce jeu. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je suis trop content de pouvoir refaire fonctionner le jeu. Donc, on va se taper des sessions dessus parce que vraiment, je pense que je vais essayer de m'organiser pour en faire en matinée dans la semaine. Comme ce matin, quoi. Et puis le week-end, quand je peux, on fera du multi sur les autres jeux. Et peut-être le soir en semaine, si je peux. Ok, on y est presque. On rassemble Mechum et on file à Rocky Ridge. Ok. Bon, c'était sympa la balade. Et je vois surtout que le PC il se comporte très bien, donc ça me rassure. Allez, on sort. Ok, j'ai une petite mission qui pop. Regardez ce que le bon vent nous amène. Un fantôme ou ma gueule de bois me joue des tours. Je t'emmerde moi aussi. Ok. Et c'est qui ça? Mon babysitter. Je te présente Scorpion et Mitch, deux vieux amis. Ok. Salut. Salut les gars. Alors, on va pas faire. Salut. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici, la citadine? La grande ville est devenue trop petite pour elle. Tu réalises que le vieux va vraiment être furax quand il va te voir ici. Je passe juste un coup de vent. Pas la peine d'en parler à Saul. Allez. Les Raffen m'ont baisé la gueule. Alors je vais m'occuper de leur cul. Mais j'ai besoin de votre aide. Allez, venez avec moi. À nous quatre, on peut se les faire. C'est qu'on ferait n'importe quoi pour toi, Frangine. Mais là, ça va être dur. Sérieusement, vous allez pas m'aider là? Le vieux nous a dit de pas bouger, et de remettre ses générateurs en marche. Et les batteries sont mortes. Super, encore une petite des quête. Générateurs. Vous pouvez pas m'aider à cause de putain de générateurs? C'est encore une blague? Bon, on a vraiment besoin d'eux.
On a vraiment besoin de vous. Ouais. Cette fois, ils ont besoin de nous ici. Putain, j'y crois pas. Vous restez bien sagement ici parce que Saul vous l'a dit. Vous en avez rien à foutre de moi. Madame. C'est pas Saul le problème, c'est le clan. Tu le sais. Écoute, on peut pas quitter le camp, c'est mort, mais... Mais Saul nous a pas interdit de prêter du matos. Ok. Bon, je vais avoir besoin de ton fusil. Et d'autres trucs à moi. Prends tout ce que tu veux. Et fais gaffe à toi, ok? Ouais. Ils sont stylés, leur tenue, j'adore. Je vais chercher le matos et je vous laisse tranquille. Trop cool. Tu vas devoir me supporter, on dirait. Paname. Hop. Mm-hmm. Alors quoi, t'es déçu? Je sais pas. Peut-être un peu, ouais. C'est cool qu'on ait la fonctionnalité de pouvoir marcher et pas de trottiner. Ça, c'est cool. Parce que du coup, on peut vraiment gérer la vitesse de son perso. C'est bien qu'ils aient rajouté ça en 2-0. On se parlera la prochaine fois. Avant, c'était un mode et... Salut, Panam. C'est cool. T'as amené un nouveau. Saul est au courant. T'as amené un nouveau. Saul est au courant. Ah, t'as bugué. Ça, c'est pas tes affaires. Ok. Oh, il y a un petit éclat. Allez, je le prends. J'en fais la collection. Peux me donner un coup de main ? Allons-y. Tu veux que je fasse quoi ? Prendre la boîte ? La boîte ici. Prendre la boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Quelques bricoles qui devraient nous être utiles. Prends-la. On a ce qu'il nous faut. Allez, on se casse. Ok, c'était sa tente, ici ? Je peux pas prendre autre chose. Vous avez réglé vos différends avec Saul ? Tu vas revenir ? Elle répond pas. C'est pas bon signe. Ah, il y a une armurier ici. Bon, on reviendra plus tard. Paname, tu passes me voir après, hein, chérie. Une autre fois, Ellie. Promis. Ok. Oh, c'est trop bien de revenir ici, parce que moi, je suis né là. Enfin, là, je suis né là. La première run, je l'ai commencé ici, moi. J'y vais. Ouais. Allez, vas-y, file. Appelle-nous à l'occasion. Sympa de revenir à la maison. Mets-la dans le coffre. Ok. Très bien. Allez, bah allons-y, hein. J'ai encore du temps. Ouais, c'est bon, j'ai encore une vingtaine de minutes. On peut y aller. Monte. Super. On va faire équipe tous les deux, c'est cool, comme dans le bon vieux temps. T'as vraiment un problème avec l'autorité. Mitch et Scorpion ont l'air de tenir à toi. Bah ouais. Hein. Mitch et Scorpion, c'est des types bien, on dirait. Les meilleurs amis qu'une fille puisse avoir. Moi aussi, je resterais au camp si j'étais eux. Saul peut se foutre ses générateurs au cul. Mais le clan passe avant tout. Mais moi, j'en fais plus partie. Ils te traitent toujours comme une des leurs. Ils tiennent à toi. T'as quelqu'un que tu considères comme un proche, toi ? Bientôt, peut-être. On verra. Pas pour l'instant, mais... Ça va peut-être pas tarder. Ok. Scorpion et Mitch, t'es des vétérans. Ces implants de combat. Ah oui. Ils étaient dans l'armée, tes potes ? Scorpion et Mitch ? Ouais, c'était les Panzer Boys. Ils étaient mercenaires pendant la dernière guerre. Génial. Panzer Boys ? Alors ils pilotaient ces énormes avions cargo ? Scorpion, ouais. Mitch les protégeait. Ils ont eu droit à des implants militaires de bâtards. Et un tas de cauchemars bien tordus pour aller avec. Ok. Qu'est-ce que tu sais sur Rocky Ridge ? Ah, putain. Rocky Ridge, c'est un trou paumé au milieu de nulle part, si j'ai bien compris. Les habitants ont tous fini par bouger à Night City ou par se casser. Ouais, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Okay. La région attendait le prolongement de l'autoroute. C'était censé redynamiser la ville. Ça s'est jamais fait, bien sûr. Il y a combien de villes fantômes comme ça ? Des centaines ? Dans tout le pays ? Des milliers. J'ai pris la I-80 l'autre jour. Il n'y a qu'à s'arrêter une fois que le soleil est couché, quand c'est calme. C'est là que tu l'entends. C'est ça qui est dommage. C'est tellement dommage qu'on puisse pas avoir plus de distance entre les... Entre les lieux. Les virevoltants et le sable qui balaye la terre desséchée. C'est comme ça que les villes meurent. Pas dans le bruit et la fureur. Mais dans un gémissement.
Oh, c'est beau. Alors, t'as vraiment un problème avec l'autorité. Apparemment, t'as un gros problème avec l'autorité. Quoi? D'abord Rogue et maintenant Saul. C'est ton chef, c'est ça? Leur chef. On aurait dit que t'avais l'air pressé de foutre le camp. Disons que Saul aurait pas été très content de me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on est venu en Californie, c'est parce qu'il nous a promis que les choses changeraient pour les Aldecaldos. Qu'on prendrait un nouveau départ. Mais tu l'as vu toi-même. Tout ce qu'on a eu, c'est une poignée de tente sur une dune de sable. Paye ta terre promise. Je voulais une vie différente, une vie meilleure. Mais Saul est qu'un putain de lâche. Je suis convaincu qu'il va mener le clan à sa perte. Ok. Donc là, on est dans la ville fantôme. Ça va être sympa s'il faut se battre là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On se croirait dans Fallout. On va accueillir les Raffens et on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on improvise. On devrait repérer les lieux d'abord. On trouvera peut-être quelque chose d'utile. Ok. Donc repérage des lieux, scanner les appareils dans la zone. Très bien. Comment je peux savoir? Je vois pas comment Rocky Ridge. Ok. Tout est HS, y'a rien qui marche. Tête caisse, ok. Faut aller où exactement? On va fouiller la zone. Alors, t'as trouvé quelque chose? Bah, tout est mort, de chez mort. Ça marchera pas. Le courant est coupé partout. Eh ben, on va changer ça. Les Raffens vont se pointer à la tombée de la nuit. On va leur préparer une petite surprise. Il nous faut juste un peu de jus. Jetons un œil au poste de transfo. Ok. Très bien. Donc c'est là-bas. Sympa l'ambiance ici. Ah. Oh, une caisse. Que je peux pas ouvrir. Pourquoi? Oh, super des composants, je prends. Ok. C'est ici. Transformateur. Scanner la source d'alimentation qui se trouve derrière. Ok. Tiens, caisse. Oh, des composants, je prends. D'accord. Donc c'est ça qu'il faut. Ah bah tiens, si ça marche. Mais il marche mon mode. D'accord, je peux monter sur le transfo. Donc en fait, je pensais que mon mode il marchait plus, mais si, il marche encore. Regardez, hop. Je m'assois dans le vide, punaise. Punaise, oh punaise, oh punaise. Je sais pas où je suis, mais j'y suis. Oh punaise, je vais me tuer. Je vais tomber. Non. Ok, j'étais au bord. J'étais au bord. Ok, alors le croisement est alimenté par ce poste de transfo. D'accord? Le tableau électrique sur le toit. On va appuyer sur l'interrupteur et bon, tout va s'allumer. Ça va être Noël. Ok. Tu crois qu'ils se feront avoir? Tu crois que ça nous donnera l'avantage de rétablir l'éclairage au croisement? Sérieux? Primo, on sait pas combien ils vont être à se pointer. Un bon petit paquet, je dirais. Deuxio, on doit s'ouvrir une voie pour atteindre mon pick-up. S'ils restent groupés, on n'a aucune chance. Alors on leur fait un spectacle son et lumière au croisement. Ouais. On va faire revenir cette ville d'entre les morts. Je sais pas si quand je suis équipé. Quand ils verront les lumières, ils se mettront forcément à chercher d'où ça vient. Nova. Ouais, on commence par allumer le terminal de contrôle juste en dessous. Sinon l'appareillage sur le toit servira à rien. Viens, on va lui donner un coup de boost avec la batterie de la caisse. Ça devrait suffire. D'accord. Attends-moi près du poste de transfo. Je vais ramener la caisse. Très bien. Bon, on va essayer de les avoir de loin avec mon sniper. Ok. Bah alors. Elle est où avec la caisse? Elle vient pas? Ah, elle a fait le tour, d'accord. Ok. Donc là maintenant, on va récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Le panneau a l'air en bon état. Je vais faire une dérivation vers la lime, ça devrait fonctionner. Il faut juste qu'on la remette en marche. Prends les câbles dans le coffre. On va le démarrer avec la batterie de la caisse. C'est parti.
Les câbles. Oh, il y avait quoi dedans? Mission pour fusil à pompe, d'accord. Non, c'est pas ce que je voulais. Hop. Brancher la batterie. Ah oui, par devant, c'est mieux. Brancher la batterie. Hop. Câble rouge connecté. Attends, donne-moi 2 secondes. Je dois tout raccorder ici. C'est fait. Maintenant, le noir. Ok, branche le noir. Repose en paix. Ce vieux taco nous aura bien servi. Ah oui. Ok, j'ai du feu. Allume le terminal à l'intérieur. Et quand il y aura du courant dans le bâtiment, monte sur le toit. Ok, le terminal... Je vais m'installer sur la tour. On aura une vue parfaite sur le croisement. Du coup, à mon signal, t'actives les disjoncteurs, ok? Hey chef. Ouais, donc je suis obligé d'aller là-haut de toute façon. D'accord. Ça marche. Oh, je peux pas. Super, c'est un échec, j'ai pas assez de force. Je peux pas rétablir le disjoncteur. Je savais que je pouvais pas faire les missions principales. Non mais en fait, je vais aller trop vite. J'ai pas la force qu'il faut, quoi. Y a un autre moyen? Faites la vitre et entre, allez. Ah, la vitre. C'est pas comme super. Si on allait t'envoyer la facture. Merci. Heureusement que le jeu propose des alternatives. Ok. C'est bon, je peux passer. C'est que j'aurais pas me couper. Ok. Ça c'est cool. Ils ont pensé à tout. Tiens, ici. Un petit éclat, je prends. Il y a quoi là-dedans? Du zénith, ça sert à quoi les zéniths? Bon, je prends. Ok, donc là, il faut aller là. Hop. Alors, activer le réseau local. Le tableau électrique est alimenté. Non, va. On va leur faire une petite surprise au croisement. Faut qu'on se mette en position. Ok. Position, bah, j'ai pas le choix, faut que je me mette là. Ok. Faut que je me cache. Maintenant, on attend. Surtout, t'oublie pas. Dès qu'on les voit, t'envoies le jus. Ils vont arriver par où? Les Raffen vont arriver par où? T'as une idée? Le nord-est, je pense. Par la vieille autoroute qui a jamais été terminée. Ok. Bon bah couvre-moi là. Compris. Couvre-moi juste au cas où. Ça marche. Très bien. Alors c'est parti. Voilà. Dans ma sorne. Tu la vois? On peut difficilement la rater. On va les prendre par surprise. Pour mieux faire ça discrètement. Si jamais ça dérape, je les décapsule. C'est bon? Ça va. Attends de la ravin, ok. Il s'arrête évidemment pile devant nous, hein. Je me sens pas bien caché là. Oui, fils de pute de boss. Vous, attendez-les ici. Tiens-toi prêt. C'est parti pour le show. Ok, on démarre. Que la lumière soit. Ok, dégainer l'arme. C'est le chauffeur qui l'a. Non, pas celle-là. Facile à repérer. Prends la clé de la voiture de Paname. Prendre la clé? Pourquoi? Faut que je prenne la clé? Pourquoi nous on me prend la clé? Je m'éloigne. Attends. J'ai pas compris là. Non, je peux pas prendre la clé. Ah non, j'essaie de pas te faire repérer. Ah oui, non mais je suis bête, l'autre voiture. Ok, donc faut que j'y aille discretos. Bon, on va aller là en mode furtif là. Ça va pas être évident là de passer. Pas moyen de distraire les ennemis. Quoi je pourrais distraire? Voilà ça. Hop. Merde, ça distrait pas les bons. Ça là, si.
bon que j'ai encore de la ressource. Ouais, si c'est bon, ils y vont, parfait. Moi, je vais pouvoir tourner. Le problème, c'est que je vais être visible. Hein. Ok, il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas. Hop. Non, pas vu. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Des composants, je prends. Bon, je vais essayer de pas tout faire foirer du premier coup. Oh, il y a des bornes d'arcade, j'adore. Allez, monter à l'étage, ok. Non, tu m'as pas vu. La prise. Comment je peux faire ça, distraire, je sais pas ce que c'est. Machine de nettoyage. Je la mets en route. Voilà, comme ça tu me vois pas. Je pique les clés à celle-là. Pas vu. Est-ce que je peux la voler sans l'assommer? Ouais. Ok. Neutraliser sans tuer. Parfait, j'ai réussi. Donc les clés maintenant. Je prends tout. Bien joué. Et maintenant, quelques chiffres respirent encore. Aide-moi à les finir, ne prends pas de risques. Je pars avec ton pick-up, on se rejoint plus tard. On va pas laisser. Pas laisser le témoin derrière nous. On va pas laisser Paname toute seule. On dirait que tu lis dans mes pensées. Bah ouais. Hein. Tiens, il y a un éclat ici. Ok. Bon, on va essayer de se les faire. Je reste. J'ai envie de rester là, moi. Quelque chose me dit, c'est une bonne idée. Il y a une caisse en bas. Ah, mais d'accord, le mec est sorti. Ok. Donc, j'ai pas le choix, j'étais obligé de sortir. Je serais bien. Qui c'est qui me voit là? Ah oui, d'accord. Dans la tête. Il n'y a pas de témoin. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu lui tirer dedans. Ok. On continue. Je vais essayer de ressortir par là où je suis rentré. Voilà. On va tous les faire. Je suis grillé. Merde. Je pensais que ça aurait fait un one shot. Mais non. Ok, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. Sortons. Là-bas. Oh punaise, balance une grenade. Ok. Allez, bougez-vous. Un petit soin. Avec ces grenades. Ah merde, c'est du gaz. Ah, c'est du gaz incapacitant. Merde. Petit soin. Ok. Là, c'est barré. Ok. Ah non, toujours là. Là, je l'ai eu, d'accord. Où est-ce qu'il y en a d'autres hein? Là-bas. Ok, ça marche. Ok, je prends celui-là. Ah, mais il est trop loin. Ok. Oh putain. Viens par là, toi. Petit court-circuit, là. Hop. Je sais pas où sont les autres, heureusement ils sont pas très réactifs. Allez, monte ta tête. Alors, il va me tirer dessus, j'y crois pas quoi. Non. Ah oh, punaise. Il m'a lancé une grenade. Ok, je me plante dans les boutons. Hein. Je maîtrise pas encore le clavier souris. J'ai un petit peu de mal. Voilà, ça c'est fait, il aura plus mal aux dents.
Il y en a un autre dans le coin. Je vois rien. S'il est là-bas. Ok. Hop. Ah, je l'ai raté. Ok, je vais crever. Punaise, grenade. Il faut que je m'éloigne. Ouais. Ok. Mais c'est bizarre que ces grenades. Non. Je me plante de touche. C'est pas possible, hein. Qu'est-ce qu'elle fout, Panam? Attends-moi dans la caisse. Super. Attends. Il y a du loot là. On va laisser ça se perdre quand même. Ah merde, non, je voulais pas lâcher mon. J'espère que je l'ai pas lâché. Ok. J'ai cru qu'il y avait. Oui, il y avait une caisse là. Attends, attends, j'ai pas fini. je prends tout le loot que je peux avant de se barrer. Voilà, je prends tout. Un petit couteau. Hop, voilà. Parfait. Ah oui, je peux pas courir avec la. J'essaie de courir, mais je peux pas en fait. Elle est trop lourde, la maîtrise. Bon, en tout cas, on dirait qu'il n'y a plus personne. Panam est là-bas, elle a rien foutu, hein. Et la caisse est là. Ok. On monte. Parfait. Pousse-toi, je prends le volant. Ok. Tu crevais d'impatience. Hein. Voilà. Tu crevais vraiment d'impatience, c'est ça. Ah, je suis content de pouvoir rejouer à ce jeu, c'est trop cool. Enfin. J'adore. Les petits détails et tout, c'est trop cool. Bon, on se casse. Alors, une vraie beauté, tu trouves pas? Ah, bijou. Un vrai petit bijou, je comprends pourquoi tu tenais tant à la récupérer. Elle et moi, on se complète. Tu vois, on s'en est très bien sortis sans Mitch et Scorpion. Écoute, V, c'est pas encore fini. Ah bon? T'as la marchandise? T'as ta caisse? J'ai pas une hache. Il était pas à Rocky Ridge. Cet enculé, il est resté planqué. Je crois que je vois où tu vas en venir. Écoute, j'ai un plan. Je m'en fous. On voulait récupérer ta marchandise, ta caisse, c'est fait. Les Six Street attendent des nouvelles et... Écoute-moi, putain! Je sais où se trouve leur planque. On va prendre la vieille autoroute, celle qui est pas finie. Ils nous attendront pas. J'en suis sûr. Ok, traquenage fait partie du plan. On... Non, pas vraiment, faisait pas partie du plan. On s'occupe d'abord du deal avec les Six Street. Tu veux attaquer la base des Raffens, t'es taré. Ok. Il est où ce repère? Allez, on perd pas de temps. D'accord. Il est où ce repère? Il est pas très loin d'ici. Bon, par contre. Merci, V. T'es gentil, Panam. Nash a fait. Mais moi, je m'arrête là. J'espère que je peux sauvegarder. Non. Je faisais confiance. Il faut que je sauvegarde. Avec qui j'ai bossé après avoir quitté les Aldecaldos. Faut que j'arrête le stream après avoir ici. Bougé à Night City. Les streamers, faut qu'ils aillent manger, Panam. Oh putain. Je sais ce que tu ressens, je comprends. Je comprends. Je sais ce que tu ressens. On m'a déjà trahi, moi aussi. Et tu lui as fait payer? J'en ai pas eu l'occasion. Quelqu'un l'a fait avant moi. Mais autrement, tu l'aurais fait? Allez, sans l'ombre d'un doute. Aucun doute. J'aurais pas hésité. Il est temps que je règle mes comptes. Bon, mais moi, je veux sauvegarder. Oh, punaise. T'es dur avec moi, le jeu, là. Faut que j'arrête là, je vais être en retard. J'ai des trucs à faire, j'ai un rendez-vous, moi.
Alors, t'es prêt? Non. Bah non. Non, je veux sauvegarder, punaise. On va le pécho. Est-ce que si je recommence là, je recommence d'où là? C'est pas cool. Elle est chiante cette Paname, n'est-ce pas Balrog? C'est pas possible. Où est-ce qu'elle m'emmène là? Dans un tunnel, un repère, je sais pas quoi. Ah putain, il va falloir que je fasse le combat. Mais je peux pas. Moi je veux sauvegarder. Bon bah écoutez, tant pis. J'espère juste que la sauvegarde qui est ici. Ouais, je dois pouvoir normalement 12:33, ça doit être bon. Bon, j'espère. On reprendra ici parce que là, je peux pas faire le combat. Faut vraiment que je m'en aille, sinon je vais être en retard. Bref, c'était cool. Je suis trop content d'avoir pu refaire une partie sur Cyberpunk. Continuer ma partie, tout simplement. J'avais vraiment peur de ne plus pouvoir le faire à cause des problèmes de ma carte graphique. Mais finalement, j'ai réussi. Donc, c'est trop bien. Ouais, merci Balrog. Toi aussi, bon appétit. Bon appétit à tous. Et puis, bah moi, je vous retrouve normalement demain matin. Et bah, je sais pas ce qu'on fera. On verra. Bref, allez. Et peut-être que je serai libre ce soir. Possibilité de que je sois libre ce soir, que je fasse un stream ce soir à partir de 20h30, 21h. Probablement sur Elite Dangerous. Bref, je suis en train de voir si je peux monter ça ce soir. Mais ce serait cool que je puisse le faire. Sinon, demain matin. Voilà, merci encore à tous. Merci les gars. À plus. Ciao tout le monde. Trop content que ça marche. C'est cool.